c'est vraiment un partenaire incontournable pour aller chercher la clientèle internationale pour les îles de Guadeloupe. On vient de signer la convention de partenariat avec l'Office du tourisme des îles de Guadeloupe. Encore un partenariat stratégique qui va nous permettre aussi d'augmenter la desserte de la destination Guadeloupe jusqu'à 17 vols par semaine à partir du mois de janvier 2025. Donc un nombre de fréquences en réelle augmentation. Donc on a parlé ensemble déjà des résultats 2024 et surtout travaillé sur la roadmap et les actions à prendre sur 2025 en termes de politique commerciale, en termes de politique marketing et de communication. Voilà, donc un partenariat toujours aussi fort pour une très belle destination et qui va être encore renforcé avec les desserts supplémentaires d'Air France avec 17 vols par semaine. Merci. Alors le contenu de cette convention concerne les échanges de visibilité et les différents accords qu'on peut avoir avec la région et avec la Guadeloupe, région à laquelle nous sommes particulièrement attachés, nous, compagnie Corsair. D'abord parce que c'est une compagnie, d'abord parce que c'est une région bien sûr à laquelle, dans laquelle nous sommes implantés. C'est une région qui nous tient à cœur et qui est historique depuis le début de la compagnie Corsair. Et donc c'est logique, je dirais presque normal, que la compagnie Corsair re-signe chaque année cette convention de partenariat avec la Guadeloupe sur tout ce qu'on peut imaginer faire ensemble pour la promotion de la Guadeloupe à travers le monde. Il s'agit d'une convention annuelle, une convention de partenariat avec la compagnie aérienne Air France qui vient de nous annoncer de très bonnes nouvelles. Les vols d'Orly en direct, d'Orly vers Pointe-à-Pitre sont maintenus et surtout au départ de Charles de Gaulle, dans le haut de la saison, donc dès le mois de janvier, nous aurons pas moins de 14 rotations aériennes au départ de Charles de Gaulle. Alors c'est important pour la destination puisque ces vols nous permettent d'aller chercher une clientèle européenne qui arrive à Charles de Gaulle. Donc fut un temps, et heureusement ce temps est révolu, les clients européens devaient changer d'aéroport à Paris et vous me l'accorderez, c'était réellement un frein à la vente. Aujourd'hui, cette liaison au départ de Charles de Gaulle facilite l'acheminement des clients européens qui sont pour nous une clientèle haut de gamme, à fort pouvoir d'achat, une clientèle francophone mais aussi internationale qui souhaite également découvrir la destination. Donc, on est vraiment très très content de cette bonne nouvelle et avec ce partenariat, il faut savoir que cela nous permet également d'aller chercher des Canadiens puisqu'entre le mois de décembre et le mois de mars, Air France opère également des vols directs au départ de Montréal vers Pointe-à-Pitre. Alors, on n'oublie pas également les vols de Miami qui opèrent tout au long de l'année avec la compagnie Air France. Donc, c'est vraiment un partenaire incontournable pour aller chercher la clientèle internationale pour les îles de Guadeloupe.